Chaleureuse jeunesse acclame très fort le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Frère Cyprien, viens. S'il vous plaît. Suivez, il va donner le temps. Oh. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Oh. Pendant que tu dis à ton voisin, touche-le s'il te plaît, rassure-toi que ce n'est pas une photo. Parce que les voisins à côté de toi peut-être une photo. Est-ce qu'il te sourit? Rassure-toi qu'il est en train de te sourire. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia! Nous voudrions saluer encore une fois de plus tous nos missionnaires qui n'ont aménagé aucun effort pour être là parmi nous. Chers missionnaires, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons également les anciens de l'église d'Abidjan qui sont représentés ici par le pasteur Douassi Désiré. Il est à la fois un ancien de l'église d'Abidjan et le président de la CMCI. Pasteur Douassi, nous te saluons. Amen. Nous voudrions saluer la présence de notre papa missionnaire. Il est basé dans la capitale économique et politique de la nation. Depuis l'année passée, il nous a rendu visite au camp et il a proclamé ce jour-là qu'il est jeune. Et il est là parmi nous. Pasteur Tala, nous te saluons. Merci. Alléluia. Nous avons également ainsi l'honneur de vous présenter de manière officielle notre amie. Mais ce soir, nous la baptisons la marraine de la jeunesse et des étudiants de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Maman Colette! Ton voisin, voisin, ça ne fait que commencer. Alléluia. On peut continuer. Vous savez, depuis 2016, nous avons entamé un voyage. travers les camps bibliques nationaux. Alléluia. La première édition a eu lieu en 2016 et le thème de ce camp était « Esprit de conquête pour une jeunesse couvrière avec Dieu ». Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il nous a accordé la deuxième édition en 2017. Et il nous a rassemblés autour des thèmes des flambeaux de lumière au milieu d'une génération perverse. Nous avons été nourris, mais le Seigneur a estimé que la nourriture n'était pas suffisante. Il nous a transportés et il nous a introduits en l'an 2018. Et il nous a bénis également avec un autre camp intitulé « Le solide fondement ». Mais cette année, le Seigneur a décidé de mettre un cachet spécial. Un cachet spécial. Et comme vous le savez bien, les saisons ne se ressemblent pas. Dis à ton voisin, les saisons ne se ressemblent pas. Dis-lui que les années ne se ressemblent pas, voisin. Cette année-là, cette année 2019, c'est une année spéciale. C'est une année spéciale. Et Dieu s'est organisé. Dieu s'est arrangé à ce que nous soyons chez nous à la maison. Hier, je disais à certains que la bénédiction est ici. Nous sommes en train de palper la bénédiction. Peut-être que tu es en train de me poser la question, il parle de bénédiction. Mais où est la bénédiction? Tu veux que je te donne la révélation? Ton frère qui est assis à côté de toi, c'est la bénédiction! La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction! Touche-le, 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 touche-le! Ton frère qui est assis, ta soeur qui est assise à côté de toi, c'est la bénédiction de Dieu! Alléluia! Alléluia! Nous allons lire un passage. Permettez-moi de... J'appelle le pasteur Kakoukan qui va lire ça pour nous. Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce temps clos. Ça là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, uni sous un seul berger. Amen. C'est la conclusion qui nous a beaucoup touchés depuis hier soir. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau uni sous un seul berger. Un seul troupeau, une seule jeunesse unie sous le leadership du pasteur Boniface Menye. Une seule jeunesse qui parle du nord, du centre, du sud, de l'est à l'ouest, au sud-est, une seule jeunesse unie, soudée, sous le leadership du pasteur Boniface Menye. Le thème de notre camp biblique de cette année est intitulé « Les vainqueurs en tant que gagnants d'âme ». Le Seigneur s'est arrangé, malgré son agenda chargé, à ce qu'il soit lui-même là. Il est mieux placé et mieux indiqué. Il a les mots appropriés pour te dire ce qu'il a sur le cœur comme fado. Nous invitons ici le pasteur Menye. Pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus. Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons commencer par l'actualité. We are going to start by what is the news. Donnez un micro au frère. Give a microphone to the brother. Jocelyn. Lis-nous ce document que je te remets. Read for us this document. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le document intitulé République centrafricaine. Unité, dignité, travail. Au Conseil de la communication, décision portant autorisation d'exploitation de télévision par satellite. Le président du Haut Conseil de la communication, vu l'ordonnance numéro 05-002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication en République centrafricaine, vu la loi numéro 17-006 du 15 février 2017 portant composition, organisation et fonctionnement du Haut Conseil de la communication, vu le décret numéro 17-110 du 22 mars 2017 portant désignation des membres du Haut Conseil de la communication, vu le décret numéro 17-188 du 6 mai 2017, complétant les dispositions du décret numéro 17-110 du 22 mars 2017, entérinant la désignation des membres du Haut Conseil de la communication, vu le décret numéro 17-137 du 15 avril 2017, entérinant l'élection des membres du bureau du Haut Conseil de la communication, vu la requête de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI du 9 août 2019 décide. Article 1. L'autorisation de création et d'exploitation d'une station de télévision confessionnelle dénommée Radio-Télévision Voix de la Croix. Jésus-Christ. Jesus. Donc, l'autorisation de création et d'exploitation d'une station de télévision confessionnelle dénommée Radio-Télévision Voix de la Croix est accordée à la communauté missionnaire chrétienne internationale pour une durée. Jésus-Christ. Pour une durée de 10 ans. Article 2. La station Radio-Télévision Voix de la Croix, RTVC, diffuse son signal sur le territoire national par satellite. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré, communiqué et communiqué partout où bon sera. Fait à Bangui le 21 août 2019. José Richard Condé. Jésus. Seigneur éternel, tu as combattu, tu as agi et tu nous donnes un décret comme un don venant de toi pour la radio et la télévision et la radio Voix de la Croix. Oh Seigneur, nous te bénissons, et nos cœurs sont dans la joie ce jour. Louange, adoration à toi. Amen. Oh Seigneur, tu as mené toutes les démarches. Tu as mené cette bataille, ce grand combat. Et tu l'as achevé dans la victoire totale sur les forces du mal, sur toutes les forces de l'ennemi. Nous te disons merci. Merci pour cet agrément que nous recevons ce jour. Oh notre Dieu, que l'honneur, la louange, la gloire, l'exaltation te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Amen. Tous les desseins de Dieu vont s'accomplir. All the purposes of God will be fulfilled. Ensemble, together, prions que let us pray that le Seigneur donne les hommes et les moyens. The Lord give us men and the means. La télévision est budgétivore. The television used to eat a lot of budget. Elle mange le budget. It eats the budget. Il faudra des contributions comme celles que nous faisons pour le Fonds missionnaire national. We will need some contribution as the one we do for the National Missionary Fund. Parce que les télévisions thématiques, televisions that are about themes, à dominance chrétienne ou évangélique, which are Christians, ne peuvent pas compter sur la publicité. Cannot rely on advertisement. Il y a des télévisions chrétiennes qui reçoivent les prédicateurs. That receive preachers. Et les prédicateurs payent. And the preachers pay the money. Et on diffuse un message. And it is broadcasted. The message is broadcasted. Nous ne pouvons pas permettre une telle chose. We cannot allow such a thing. Notre télé, c'est pour nous. Hallelujah. Our television is ours. Ça sera le genre que, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, it will be the kind that at any time of the day or the night, si tu te connectes, if you are connected, l'évangile est devant toi. The gospel is before you. Donc, nous aurons nous-mêmes nos moyens pour la faire fonctionner. So we will raise funds by ourselves to make it work. On n'a pas besoin du mécénat des incirconcis. We don't need the money or those uncircumcised. Vous savez, il y a des gens qui veulent soigner leur image. Ils peuvent utiliser la télé et puis ils vous donnent l'argent. C'est ça qu'on appelle mécénat. Ok. There are some people who would like to clean their image, so they want to use your television and pay money. We don't need this. Ils peuvent organiser un jeu au quartier. They can organize a game in their quarter. Ils vous invitent à les couvrir et financer. They invite you to come and cover it, and they raise funds for that. Ils gagnent parce que leur image. They win because of because their image. Leur nom et leur image. There is the name and the image. Mais nous. But nous avons un message. We have a message. Clair. Clear one. On ne peut pas laisser n'importe qui venir dire n'importe quoi. We cannot let anyone come and say whatever he wants. Donc, budgétiser dès maintenant. So start to create a budget starting from now. Quelle sera ta contribution mensuelle? What will be your monthly contribution? Parce que vous voyez, Huguette est là, elle est professeure de lycée, donc elle n'a pas faim. Sister Huguette is a high school teacher. She's not hungry. Mais il y a des jeunes gens, there are young men, qui vont dépendre du budget de la télévision. Who will depend on the budget of the television? Qui seront envoyés faire des reportages dans nos églises. They will be sent to make reports in our churches. Même en Europe. Even in Europe. Le siège juridique est en Centrafrique parce que c'est facile de commencer là-bas. The juridical siege is in Central Africa because it is easy to start by there. Ici, c'est une affaire de milliards. Here, it's a question of billion. Et puis c'est sur appel d'offres. And you have to call people to come and examine. L'État peut dire je vais donner à 2 personnes, venez déposer vos dossiers. The state can say that I will offer it to 2 people, come and deposit your fine. Mais là-bas, si tu es prêt, tu remplis les conditions, tu payes ce qu'il faut payer, c'est déjà OK. But there, if you fill the condition and then you are ready to pay what it should be paid, it's OK. Comme notre télévision est sur satellite, as our television is on satellite, le siège peut être dans un désert, mais the headquarter can les émissions, nous-mêmes on va choisir où émettre, on ne dira à personne. The headquarter can be in the wilderness, but concerning, I mean, the different broadcasting will decide by ourselves. Mais on a déjà fait un essai d'1 mois plein, 24 heures sur 24. So la télé a fonctionné, mais vous ne saviez pas. We have made a trial of 1 full month, 24 hours over 24 hours, and the television worked, but you don't know. Et les résultats avaient été très concluants, et nous avons donc décidé d'aller en avant. So the results were very good, so we decided to move ahead. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et c'est un projet sur lequel Dieu nous a donné, pour lequel Dieu nous a donné des instructions claires. It's a project for which God gave us very clear instructions. À cause de ce projet, j'étais obligé de retourner à l'école. Because of this project, I was compelled to go back to school. Je me suis dit, I told myself, on ne peut pas passer le temps à prier que Dieu nous envoie, parce qu'il y a la radio, il y a la télévision. J'avais fait la radio, je n'avais pas fait la télévision. There is radio and television. I had already started radio, but not television. Et il nous fallait étudier la télévision pour la maîtriser et pouvoir conduire des équipes. So we were to study television, master it in order to lead the different teams. Vous aurez des émissions de qualité. You will have quality broadcasting. Et les jeunes gens sont sérieux, vous voyez celui-là, très engagés. Young men are really committed. See this one. They are all committed. Tous nos pasteurs sont nos prédicateurs. All our pastors are our preachers. All of them. Et ils sont aussi nos journalistes. And they are also our journalists. Vous verrez comment on va fonctionner. You will see how we're going to function. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc Huguette est retournée à l'école. Elle n'a pas besoin de ça pour vivre, mais à cause de ce projet, elle est retournée à l'école. Sister Huguette went back to school. She does not need this to live, but because of this project, she went back to school. Mon rêve pour elle, c'est qu'elle réalise les films. My dream for her is for her to realize video films, documentaires, films, de fiction, and fiction films, fiction d'enseignement, d'édification évangélique, and broadcasting of edification and teaching and evangelical ones. Le pasteur Douassi a changé de profession. Pasteur Douassi has changed his profession. À cause de ces projets, je lui ai dit de retourner à l'école, chercher un diplôme de journaliste. Because of this project, I told him to go back to school and seek, a degree, a diploma of journalist. Et il a soutenu son master 2. And he has already defended his master 2. Donc, il a le niveau qu'il faut pour l'expertise. So he has the level needed. Le pasteur Laurent a fini. Il est à Koumé. Il revient seulement en décembre. Pastor Laurent is over and he's in Koumé. He will be coming in December. Il fait l'infographie. He does infography. Et il est en train de faire des recherches sur l'animation télévision. So he is making researches on animation of TVs. Sur les habillages. And how to clothe. Avec des effets particuliers. With particular effects. Le frère Abdraman a soutenu déjà sa licence. Il est opérationnel. Brother Abdraman has already defended his thesis and he can work now. Il a un petit congé. Dès qu'il finit de se reposer, il s'en va chercher le master. He is resting a bit, and after resting, he will go and seek the master degree. Le frère Pascal, brother Pascal, il est très engagé. He's very committed. Il doit être quelque part. He may be somewhere. Et il est journaliste de télévision. Il a du talent. He is a journalist, a TV journalist. He has a lot of talent. Le frère Christian Twally, brother Christian Twally. Il est rentré à l'école. He went back to school. À l'ISTC. In an institution called ISTC. En Afrique de l'Ouest, c'est l'une des plus grandes écoles. In West Africa, technique de la communication, de l'information. In West Africa, it is one of the greatest institutions for teaching communication, TV and communication. Donc, nous avons besoin de prières. So we need prayer. Nous avons besoin des fonds. We need funds. Et nous allons continuer à enrôler les gens, même hors du pays. And we start continue to enroll people even outside the country. À Koumé, nous avons une école. In Koumé, we already have a school de journalisme. Of journalism. On a déjà formé des frères. Il y a le frère Yassine Bekolo que vous voyez souvent dans les news. Some brethren have already been trained there. C'est l'un de nos premiers étudiants. He's one of our first students. Et il est talentueux. Nous l'avons nommé rédacteur en chef. He is a talent, and we have appointed him edition chief. Donc, ce n'est pas une affaire ivoirienne. It's not an Ivorian matter. Vous allez voir cela dans le fonctionnement. You will see this in the functioning. Nous aurons à Abidjan le Centre international de production audiovisuelle qu'on appelle SIPA. We will have in Abidjan the International Center of Audiovisual Production called SIPA. C'est ça qui va produire les émissions. This is the one that will produce broadcastings. C'est cet organe qui va veiller sur la qualité des émissions. This organ will also see to the quality of the broadcastings. Nous sommes prêts à faire intervenir tous ceux qui sont dans le domaine, même des experts du domaine, même s'ils sont païens. We are ready pour venir nous former. To bring experts in the field, even if they are unbelievers, for them to come and train us. Tout ça demande beaucoup de moyens et des hommes disponibles. All this requires a lot of means and available men. Et il y a de cela, je crois, 2 ans que le leader mondial avait libéré le projet. On cherchait la formule la plus adéquate. 2 years ago, the leader has released the project, but we were trying to seek the best formula. Les télévisions terrestres ne peuvent pas nous aider, elles sont nationales, c'est-à-dire ça ne sort pas du pays. Earthly television cannot help us because they are national, that is, they are confined to the country. Il nous faut aller sur satellite et il faut un équipement. Jocelyn va vous donner les informations d'ici la fin du camp. We need to go on satellite and we need some equipment. Brother Jocelyn is going to give us information about that from now to the end of the camp. Jocelyn ne connaît rien de la radio, la télévision, le journalisme, mais le Seigneur m'avait dit, prends ce jeune homme. Brother Jocelyn does not know anything about TV and radio, but the Lord told me, take that young man. Confie-lui le projet de télévision. And trust him with the project of television. Et il est passionné. And he has a great passion for that. Et il est même polyvalent. And he is polyvalent. Nous rendons grâce à Dieu. We give thanks to the Lord. Quand il m'a appelé que l'agrément est obtenu, je lui ai dit, tu n'es pas venu manger le placali sur la terre. When he called me that and said that we have got the agreement, I said that you did not come to eat placali on earth. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous étions à Koumé. We were in Koumé. Le frère Theodore a salué l'église. The brother Theodore greeted the church. Les jeunes sont là. The youth is there. Je les vois. I see them. Ils sont vraiment jeunes. They are really young. Je me suis dit, étant assis là-bas, que si un vieux entre ici, il va rajeunir seulement. Attends. I was sitting there and I thought myself that if an old man gets in here, he will become young. C'est une grâce de vous avoir. It is a favor to have you. Vous ne pouvez pas l'apprécier aujourd'hui. You cannot appreciate it today. Quand vous aurez 60 ans comme moi, bientôt en février. When you will be 60 years old as me, very soon in February, vous saurez apprécier la jeunesse. You will be able to appreciate the youth. Alors vous comprendrez pourquoi j'étais tout souriant en regardant la jeunesse. And you'll understand why I was so smiling when I was watching the youth. Quand tu vois des intelligences que Jésus a arrachées du monde, when you see the people who are very intelligent that Jesus took from the world, des talentueux, talentless people, des beautés, talented people and people who are great, tu dis tout simplement, Jésus est fort. You just say, Jesus is strong. Jésus est fort. Jesus is strong. Disons un mot sur le thème. Let us say a word on the theme. Vainqueur en tant que gagnant d'âme. A winner as a soul winner. Il s'agira de quoi? What will it be about? En fait, il s'agit d'une exhortation. It concerns an encouragement, d'un rappel des principes, a recall of the principles, des principes relatifs à la conquête des âmes perdues pour Jésus-Christ. Principles that are related to the winning of lost souls for the Lord Jesus. Une exhortation adressée à chaque jeune. An encouragement directed to each youth. L'invitant à ne jamais oublier. Bringing them or inviting them never to forget. Ce que nous appelons la grande commission. What we call the Great Commission. Il y a beaucoup de bruit dans le monde. There is a lot of noise in the world. Il y a beaucoup de passion dans le monde. There are a lot of passion in the world. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'oppression. There are a lot of problems and oppressions. Si bien que si les enfants de Dieu ne veillent pas, so that if the children of God do not watch, les activités de l'église vont dériver à autre chose. The activities of the church will return to other things. Et nous allons oublier le but pour lequel nous avons reçu le Saint-Esprit. And we will forget the goal for which we receive the Holy Spirit. Jesus nous a envoyés, sent us dans le monde, in the world, dans le monde entier, tout le monde entier, in the whole world, annoncer la bonne nouvelle, to go and proclaim the good tidings, annoncer la bonne nouvelle, to go and proclaim the good tidings, à toute la création, to all the creation. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'église. There are a lot of things that we do in the church. Les jeûnes, fasting, les prières, prayer, les lectures bibliques, the reading of the Bible, les dons à Dieu, gift to God, des retraites spirituelles, spiritual retreats. Nous lisons des livres. We read books. Tout ça, all these, c'est pour notre santé. Is for our health. Mais le travail que Dieu nous a donné, but the work that has been entrusted to us by God, c'est annoncer la bonne nouvelle, is to proclaim the good news. Toutes les autres activités, all the other activities, ont pour but de nous rendre capables d'accomplir cela, are intended to enable us to fulfill this. Si tu bâtis même une relation en Christ, even if you build a relation in Christ, elle doit t'aider à gagner les âmes. It must help you win souls. Les délivrances, deliverances, délivrer les gens, briser les liens, briser les malédictions, toutes ces choses, tous ces ministères ont pour but de nous rendre capables de gagner les âmes. Delivering people and breaking evil ties, all these ministries are intended to enable us to win people to Christ. Si bien que si nous faisons toutes ces choses, so that if you do all these things, et si nous ne gagnons pas les âmes, and don't win souls, nous n'avons rien fait. We have done nothing. Et nous allons voir qu'est-ce que nous appelons gagner une âme pour Jésus. So we are going to study what we call winning a soul for Jesus. Qu'est-ce qui caractérise un vrai gagneur d'âme? What characterizes a true soul winner? Qu'est-ce qui caractérise les âmes gagnées par un vrai gagneur d'âme? What are the characteristics of the souls won by a soul winner? Qu'est-ce qui caractérise une église implantée par un gagneur d'âme? What characterizes a church won by a soul winner? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On est vainqueurs. We are winners. Nous sommes vainqueurs. We are winners. Si nous gagnons les âmes. If we win souls. Vous notez que la victoire n'est possible. Note that victory is possible. Que si la jeunesse reste attachée à la grande commission. Only if the youth remain bound to the great commission. Il est très facile d'oublier l'essentiel. It is very easy to forget what is capital. Il est très très facile d'oublier l'essentiel. It is very very easy to forget that which is capital. Il est facile de fonctionner sous l'influence d'une culture. It is easy to function under the influence of a culture. Des habitudes, habits, qui restent quand on a tout oublié. That remain when we have forgotten everything. Les gens font certaines choses, si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, ils disent ils ne savent pas, que c'est comme ça, tout le monde fait comme ça. There are people who do some things, when you ask them why they do so, they say they don't know, since everybody do the same. C'est ça qu'on appelle la culture, ce qui reste quand on a tout oublié. That's what we call culture. That is what remains when we have forgotten everything. Mais la jeunesse ne doit pas oublier que the youth must not forget that Jésus a commissionné les gens. Jesus commissioned the people. Et Jésus a dit allez annoncer la bonne nouvelle. That Jesus said go and proclaim the good tidings. Si tu oublies ça, if you forget that, ce qui va rester, c'est le folklore. What will remain is folklore. C'est les danses que nous voyons. The dances that we see. Tu es là. You are here. Tu es dans le monde. You are in the world. Et tu es dans l'église. And you are in the church. Pour gagner les âmes pour Jésus. To win souls for Jesus. Pour annoncer l'évangile. To proclaim the gospel. Pour annoncer la bonne nouvelle. To proclaim the good news. Tu vis. You live. Pour annoncer la bonne nouvelle. To proclaim the good news. Quel que soit ton état. Whatever your condition. Si tu es malade. If you are sick. Tu annonces la bonne nouvelle. You proclaim the good news. Tu te portes bien. You are well. Tu annonces la bonne nouvelle. You proclaim the good news. Beaucoup sont venus avec beaucoup de fardeaux. Many came with a lot of burdens. J'ai dit à une sœur, I told a sister, je ne t'ai jamais bâti. I never built you up. Parce que nos rencontres n'ont été que pour résoudre tes problèmes. Because all our encounters were to solve your problems. Ce n'est pas mauvais. This is not bad. Mais elle doit se lever. She must rise up. On n'attend pas la réalisation de tous les rêves avant de commencer à annoncer la parole de Dieu. You don't need that all your troubles are solved before you start proclaiming the good news. Tu es enrôlé. You are recruited, enrolled. Tu dois parler de Jésus. You must talk about Jesus. Tu dois parler de Jésus. You must talk about Jesus. Ça doit t'habiter. This must indwell you. Ça doit te préoccuper. This must preoccupy you. You must be concerned by it. Alléluia. Praise the Lord. Lis pour nous Marc chapitre 16 verset 15. Read for us Mark chapter 16 verse 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Mark chapter 16 verse 15, he said, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Lis pour nous Matthieu 28 verset 16 à 20. Read for us Matthew 28 reading from verse 16 to 20. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthew 28, reading from verse 16 to 20. Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world, of the age." Amen. Alléluia. Praise the Lord. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. We must preach the good news. Et nous devons faire des disciples. And we must also make disciples. Les gagneurs d'âmes, les vainqueurs, the winners, gagnent les âmes, win souls, et les transforment en disciples. And transform them, make them into disciples. Vous soulignez ça. You underline this. Si tu as gagné les âmes, if you have won souls, qui ne sont pas là où tu es, who are not where you are, tu n'es pas un vainqueur. You are not a winner. Il te manque quelque chose. You miss something. Il manque quelque chose dans ton esprit. There's something missing in your spirit. Tu te réjouis, you rejoice, que tu as des enfants dispersés et aucun ne te suit. That you have children that are scattered. Un vainqueur, a winner, pose la main sur quelqu'un, lay his hand on someone, gagne la personne à Christ, win that person to Christ, transforme la personne en disciple, make that person into disciple. C'est ça qu'on appelle gagner une âme. That's what we call winning a soul. C'est pour cette raison que la Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. That's why it is said in the Bible that the Lord added to the church those who were saved. Le Seigneur ne prend pas des gens qui ne sont pas sauvés, il ajoute à l'Église. The Lord does not take people who are not saved and add them to the church. C'est l'œuvre des vainqueurs, it is the work of winners, qui permet au Seigneur d'ajouter les âmes à l'Église, donc de provoquer la croissance numérique. That bring the Lord to add souls to the church, and therefore to provoke growth in numbers. Si nous organisons une campagne maintenant, if we organize a campaign now, si 500 personnes, if 500 people prennent la décision de suivre Jésus, decide to follow Jesus, si 100 personnes, if 100 people obéissent, obey, se repentent, repent, et acceptent le baptême, and accept to be baptized, ce sont ces 100 personnes, it is those 100 people, que le Seigneur ajoute à l'Église, that the Lord add to the church. Parce qu'il dit, relis le verset 15. Read verse 15 et 16, Marc chapitre 15 verset 16. So let us go back to verset 15 et 16. Marc 16, reading from verse 15 to 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Hallelujah. Praise the Lord. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. The one who will believe and be baptized will be saved. Autrement dit, otherwise, Jésus ajoutait à l'Église, Jesus added to the church, ceux qui avaient cru, those who believed, et qui étaient baptisés. And who were baptized. Parce qu'il dit à ses disciples que c'est lui qui va croire. Because he tells his disciples that the one that will believe et qui sera baptisé and will be baptized sera sauvé. Will be saved. Quand un vainqueur sort, when a winner gets out, il proclame la parole. And proclaim the word. Tous ceux qui croient, all those who believe, et il les baptise. He baptizes them. Ceux-là sont ajoutés à l'église. All those ones are added to the church. Si tu proclames l'évangile, quelqu'un dit je crois mais je ne veux pas de baptême. Someone said that I believe it but I don't want baptism. Moi j'étais baptisé quand j'étais bébé. Me, I was baptized when I was a baby. Tu ne l'as pas encore gagné. You have not won him yet. Tu ne l'as pas encore gagné. You have not won him yet. Même dans notre expérience quotidienne, even in our daily experiences, les gens qui acceptent le baptême, those ones who accept the baptism, intègrent directement l'église. Gets into the church, they enter the church straight forward. Ils assistent aux réunions, they come back to the meetings, ils payent les dîmes, they pay their tithes, donnent les offrandes, and they give offerings. Mais les gens qui discutent avec toi, but those who argue with you, sont infidèles en tout. They are unfaithful in everything. Tu leur demandes de se repentir, ils disent que non, on se repent toujours. You tell them to repent and they say that we repent every day. We don't need to do so. Tu leur dis de se baptiser après la repentance, ils disent que non. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. You tell them to be baptized after repentance, they say that no. The Bible says that there is only one baptism. Mais ils veulent tous les ministères. But they want all the ministries. Ils veulent qu'on les bénisse. They want to be blessed. Ils veulent qu'on brise les liens malsains. They want us to break the evil ties. Ils veulent qu'on brise les malédictions. They want us to break the curses. Qu'on renverse les principautés. That we overthrow principalities. Ils veulent être enseignés. They want to be taught. Je veux venir à l'enseignement. I want to come to the teaching. C'est édifiant. It is encouraging, edifying. Les vainqueurs, winners, gagnent les âmes, win souls. Ils proclament la parole. They proclaim the word. Ils proclament la parole. They proclaim the word. Et les gens qui croient, and those who believe, doivent accepter le baptême. Must accept the baptism. Celui qui croira, the one that will believe, et qui sera baptisé, and that will be baptized, sera sauvé. Will be saved. Le Seigneur a ajouté à l'église, the Lord added to the church, ceux qui étaient sauvés. Those who were saved. Travaille pour le salut des âmes. Work for the salvation of souls. Travaille pour les âmes authentiquement sauvées. Work for souls that are saved genuinely. Ne dis pas est-ce que je peux connaître dans le cœur des hommes. Le Seigneur dit, the Lord said, do not know, can I know the heart of man? The Lord says, celui qui croira, the one that will believe, et qui sera baptisé, and be baptized, sera sauvé. Will be saved. Et dans notre expérience, in our experience, tous ceux qui ont cru, all those who believed, et qui ont reçu le baptême, and who received the baptism, baptisés par les vrais disciples, baptized by true disciples, ils sont là. They are there. Certains peuvent avoir des petits problèmes, ils peuvent retrograder après 2 ans, ils reviennent en pleurant. Some can experience a lot of some problems, but after 2 years they can backslide, and after 2 years they come back crying. Si tu as rétrogradé un jour, lève la main. If you have already backslided, raise your hand. Tu as rétrogradé, tu es revenu. Levez les mains. You have backslided and you came back. Raise your hand. Ils sont sauvés, ils ne pouvaient pas aller dans le monde. They could not get into the world. Non, pas là. Si vous êtes parti, non. Did you not go? Et vous êtes revenu, vous voilà. Levez bien les mains. Here you are. Raise your hand. Que la sagesse soit justifiée. Let wisdom be justified. Celui qui croira, the one that will believe, et qui sera baptisé, and be baptized, sera sauvé. Will be saved. Le Seigneur ajoute à l'église, ceux qui sont sauvés. Those who are saved. Le Seigneur ajoute à l'église, ceux qui sont sauvés. Those who are saved. Le Seigneur ajoute à l'église, ceux qui sont sauvés. Those who are saved. Si tu n'es pas baptisé, if you are not baptized, si tu es dans la salle, if you are in the que tu as accepté Jésus, you have accepted Jesus, tu discutes sur le baptême, and you argue about baptism. Attention. Watch. Attention. Watch. Repends-toi. Repent. Et on va organiser une séance spéciale de baptême. And we organize a baptismal session. Ceux qui vont croire, those who will believe, et ceux qui n'ont pas encore été baptisés, and have not been baptized, seront baptisés dans ce camp. Will be baptized in this camp. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. dit je proclame que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dit je proclame que le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, lève ta main. If you have not received Jesus yet, raise your hand. Tu cherches Dieu, tu es venu au camp. You are seeking God and you came to the camp. Raise your hand. Ok, donc c'est un camp des frères. So it is a camp of the brethren. Acclamons pour Let us clap for Jesus. Excusez-moi, il y a quelqu'un. Please, there's someone. Il faut bien l'accueillir. Cet homme qui veut t'asseoir là-bas, ou bien on t'a donné cette place. Were you given this place or you yourself went to sit there? C'est toi-même qui as choisi. You are the one who chose it. Ok. Non, entre. On doit t'honorer. Viens t'asseoir ici. Yes, get inside. You must be honored. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle? Is there someone else in the hall? Qui n'a pas encore donné la vie à Jésus? Who has not given his life to Jesus? Mais qui est venu? That who came to the camp? Ok. Okay. Toi, tu es bien assis là-bas. So you are well seated there. Lève la main. Raise your hand. Viens. Viens à côté du prédicateur ici. Come near the preacher here. Dis, je proclame que le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Et ce n'est pas un mystère. And this is not a mystery. Jésus dit, Jesus says, si tu veux savoir que quelqu'un est sauvé, if you want to know if someone is saved, il doit croire, he must believe, et il doit être baptisé. And he must be baptized. Si quelqu'un veut le baptême, if someone wants the baptism, sans repentance, without repentance, ne le baptise pas. Do not baptize him. Il n'a pas cru. He has not believed. Mais s'il croit, but if he believes, il faut le baptiser. Baptize him. Mais s'il croit, but if he believes, qu'il ne veut pas le baptême, and say that he doesn't want baptism, il est bloqué. He's blocked. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. The one that believes and be baptized will be saved. Celui qui ne croira pas sera condamné. Là, on ne va même plus au baptême. Dès que tu n'as pas cru, on s'arrête là. The one that did not believe will be condemned. We don't even go up to baptism. As soon as you don't believe, si tu n'as pas cru, tu es condamné. If you have not believed, you are condemned. Le problème ici est de savoir quand Jésus dit que quelqu'un doit croire, qu'est-ce qu'il veut dire? The matter here is to know when Jesus said that we must believe, what does it mean? Pour Jésus, for Jesus, si tu dis de ta bouche que tu as cru, if you say from your mouth that you have believed, on doit le voir dans tes œuvres. We must see it in your works. Dans tes œuvres. In your works. Si tu mentais, tu ne mens plus. If you are lying, you stop lying. Si tu trichais, tu ne triches plus. If you were cheating, you stop cheating. J'ai cru en seconde. I believed when I was in form 5. Je n'ai jamais triché après ma conversion. Just after my conversion, I no more cheated. Il y a un seul cas qui avait troublé ma conscience. There was only one question, matter that troubled my conscience. On faisait un exercice de physique. We were en première. Doing an exercise of physics. Je maîtrisais les formules. In lower six, and I mastered the formulas. Par inadvertance, j'ai vu la formule dans le cahier de mon camarade. Je voulais laisser le reste. Je me suis dit non, je connais la formule, je connais la leçon. By inattention, I saw the formula in the copybook of my neighbor, but I told myself that I know the formula. Mais quelque chose, je voulais laisser. But I wanted to leave it. J'ai dit non. I said no. Je n'ai pas triché. I did not cheat. C'est j'ai compris que I understood that les jeunes gens doivent savoir comment on donne la vie à Jésus. Young men must know how we give life to Jesus. Et parfois c'était difficile. And sometimes it was difficult. Mais je me contentais de ce que j'avais appris. But I only did, I mean, use what I learned. J'avais falsifié mon âge. I changed my age. J'ai fait la restitution. I made the restitution. Auprès du censeur. Near the deputy head. Et j'ai perdu le BPC. And I lost my O level. Si quelqu'un dit, if someone says, j'ai donné ma vie à Jésus. I have given my life to Jesus. Et les œuvres du passé continuent dans sa vie. And the past works continues in his life. Non, il n'a pas encore, compris. He had not believed yet. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui croira, the one that will believe, qui sera baptisé, and be baptized, sera sauvé, will be saved. Si tu mets cela dans ton esprit, ça va révolutionner même ta manière de prêcher. If you put this in your mind, this will create a revolution even in the way you preach. Lis pour nous, read for us, Jacques chapitre 2 verset 19. James chapter 2 verse 19. Lis jusqu'au verset 26. Go up to verse 26. Jacques chapitre 2 verset 19 à 26. Jacques chapitre 2 verset 19 à 26. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Verse 26. Comme le corps sans âme est mort. For as the body without the spirit is dead, de même la foi sans les œuvres est morte. So faith without works is dead also. Il dit, tu dis que tu crois, c'est bien. He said that you believe, it is good. Tu fais bien. You do well. Mais les démons croient aussi et ils tremblent. But demons also believe and they tremble. Le Seigneur met l'accent ici sur la vie après la vraie foi. Here, the Lord put the stress on life after, quand tu as cru véritablement. When you have believed truly. Comment dois-tu vivre? How must you live? Tu dois produire le fruit. You must produce the fruit. Digne de ta conversion. Worthy of your conversion. Au quartier, tout le monde doit savoir que ce garçon n'est plus le même. In the quarter, everybody must know that this boy, this young man is no more the same. Dans ta famille, in your family, tout le monde doit constater que tu es transformé. Everybody must know that you are transformed. Il faut la foi. It takes faith. Et les œuvres. And works. Et le changement. And changement. La foi. Faith, et le changement de conduite, and the changing of your conduct, l'abandon d'œuvres méchantes, the abandoning wicked works. Ce sont ces œuvres-là, it is those works, c'est cette manière de vivre, that way of living, que les gens vont regarder, that people will see, will look, ils vont dire, and they will say, il a cru, he has believed. Donc quand la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. So when the Bible says that the one that will believe and be baptized will be saved. Il ne s'agit pas de te lever, tu dis j'ai cru. It does not mean that you get up and say I have believed. Alors baptisez-moi. So baptize me. Ça touche ton entendement. It touches your understanding. Ça touche tes pensées. It touches your thoughts. Quand tu crois, when you believe, ça t'amène à changer ta manière de penser. It brings you to change the way you think. Ça t'amène à changer tes voies, ton style de vie. It brings you to change your ways, your lifestyle. Ça t'amène à changer tes goûts. It brings you to change your tastes. Viens lire pour nous. Come and read for us. Le livre du prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Tu auras pitié de lui. À notre Dieu, tu ne se lasses pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Que le méchant abandonne sa voie. Let the wicked one forsake his way. Et l'homme d'iniquité ses pensées, And the unrighteous man his thoughts. Vous savez, quand quelqu'un vit dans le péché, il se croit intelligent. You see, when someone lives in sin, he thinks he's intelligent. Chacun veut qu'on dise qu'il est bon, qu'il est gentil. Each one wants people to say that he's good and kind. Il faut aller au funérail. Go to the funerals. Dans les coulisses, les gens parlent. C'est vraiment ce sorcier est parti. Ça c'est bien. So around the aside, people speak and say that this witch has gone. This good. Et après ça, quelqu'un se lève et dit, il va lire l'horizon funèbre. And after that, someone rises up and says that he's going to read. Il était un vaillant. He was a mighty man. Il avait la longanimité. He was great. Il aimait les hommes. He loved men. Il partageait. And he used to share. Vous voyez? You see? Et puis, ses enfants ou bien la veuve sourit, sachant que c'est faux ce qu'on raconte là. And his children of the widow or the widow, they smile, knowing that what is being said is false. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Let the unrighteous one forsake his thoughts. Quelles que soient les raisons qui te poussent à vivre dans le péché, tu dois les abandonner. Whatever the reasons that makes you live in sin are, you must forsake them. Tu dois changer. You must change. Il faut la foi plus les œuvres. It takes faith and the works. Tu ne peux pas dire que tu crois, mais tu suis les mêmes sentiers. Tu vas dans la même direction et tu dis que tu crois. You cannot say that you believe and you're still going in the same way. Tu fréquentes les mêmes milieux, tu commets les mêmes péchés. You attend the same milieux and you commit the same sins. Et tu dis que tu crois. And you say that you believe. Tu dis tu étais au séminaire. And you say I was at the seminar. Tu dis que tu es prêtre, tu es diacre. You say that you are a priest, a deacon. La parole dit. The word says. Mais les démons font la même chose. But the demons do the same thing. Les démons croient. The demons believe. Aucun démon ne dit Dieu n'existe pas. No demon says that God does not exist. Si tu dis un démon au nom de Jésus, you say to a demon in the name of Jesus, sors, get out. Il va obéir. Pourquoi? Il croit. He will obey. Why? Because he believes. Il a peur. But he's afraid. Si tu crois, if you believe, sans abandonner le péché, without forsaking sin, tu as la foi des démons. You have the faith of demons. Tu as la foi des démons. You have the faith of demons. Les démons croient. Demons also believe. Ils ne changent pas. But they don't change. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui croira, the one that will believe, qui sera baptisé, and be baptized, sera sauvé, will be saved. Quand tu prêches, when you preach, tu dois voir l'objectif. You must see the goal. de communiquer la foi. You must intend et de baptiser la personne. To communicate faith and to baptize that person. Alléluia. Praise the Lord. Nous étions un jour à Katiola. One day we were in Katiola. Il y avait un garçon, un jeune homme. There was a young man there. Qui voulait discuter. He wanted to argue. Il dit, est-ce que Philippe avait parlé de la repentance à l'eunuque éthiopien? He said, did Philip talk about repentance to the Ethiopian eunuch? Je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce qu'il lui avait parlé du baptême? I told him, did he tell him about baptism? Mais pourquoi dit-il soudainement, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il lui a parlé de ça quand? Why did he tell him suddenly, here is water, can you baptize me? Why, when did he tell him about that? Je lui ai dit que c'était un long discours. I told him that it was a long discourse. Il lui avait expliqué tout, repentance, baptême, tout ça. Il lui avait tout expliqué. In which he explained to him everything, repentance, baptism, everything. C'est pour cette raison qu'il pouvait dire, mais voici dans l'eau, tu m'as parlé du baptême, baptise-moi. That's why he said that here is water. You talk to me about baptism, then baptize me. Et il lui redit, si tu crois. And he said, if you believe. Et il a dit qu'il croit. And he said that he believed. Et il a baptisé. And he baptized them. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le vainqueur présente tout l'évangile. The winner presents all the gospel. Il ne faut pas avoir peur. Do not be fearful. Que si je lui dis tout maintenant, il sera découragé. That if I tell him everything now, he'll be discouraged. C'est comme ce jeune homme. It's like this young man. Il sait déjà que s'il croit, he knows already that if he believes, il faudra qu'il soit baptisé. He must be baptized. S'il refuse, if he refuses, il a désobéi à Dieu. He has disobeyed God. S'il obéit, if he obeys, il sera béni. He will be blessed. C'est la même chose aussi. It's the same thing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu annonces l'évangile, when you preach the gospel, annonce la totalité de l'évangile. Preach the entirety of the gospel. Ça rend ton propre travail aisé. It makes your own work easy. Si quelqu'un te suit, if someone follows you, même s'il va rétrograder, even if he will backslide, on saura quand même qu'il avait accepté quelque chose. We at least will recognize that he had accepted something. Et je sais que s'il a cru, il va revenir. And I know that if he had really believed, he will come back. Vous avez vu les mains. You saw the hands. Certains reviennent même après 10 ans. Some even come back after 10 years. En regrettant, bien sûr. While regretting. Je vais laisser quelques personnes prier. I will allow some people to pray. Nous te bénissons, notre Père, pour cette clarification concernant le vainqueur en tant que gagneur d'âme. Seigneur, tu nous amènes à comprendre clairement que nous devons être des vainqueurs, Seigneur. Nous devons demeurer des vainqueurs. C'est le but de notre appel, Seigneur. Gagner une âme, la bâtir comme un disciple. Nous rassurer que tout l'évangile est prêché dans sa totalité. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas de négociations concernant ton évangile. Père, je proclame que je suis un vainqueur. Je proclame que je vais demeurer un vainqueur pour te plaire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ. Amen. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous éclaires encore ce soir, Éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur Éternel, de ce que tu ouvres à nouveau nos yeux. Seigneur, tu nous fais comprendre, Éternel, que nos problèmes, Seigneur, notre Dieu, c'est parce que nous ne présentons pas l'évangile dans sa totalité, Éternel. Père, nous avons compris notre Dieu. Nous prions que, Seigneur, la voix se déchire davantage, Éternel, et que nous contemplons notre Dieu, la vérité de l'Évangile. Seigneur, accorde-nous de voir la nécessité, Seigneur, de présenter l'Évangile dans sa totalité, Éternel, notre Dieu. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, ô Éternel. De ce que tu nous fais comprendre, Seigneur, que plusieurs fois, nous avons compté sur nous-mêmes. Seigneur, nous voulons à tout prix que les gens croient et on dilue l'évangile. Seigneur, merci de ce que tu ouvres les yeux de chacun de nous. Seigneur, qu'en tant que vainqueur, nous devons prêcher l'évangile dans toute sa totalité. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu me donnes, Seigneur, la puissance et la force, Seigneur, d'obéir à cette parole. Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te bénir pour ce thème que tu nous donnes. Merci pour l'introduction que nous avons reçue, à travers laquelle tu nous as enseigné que nous devons des vainqueurs. Et qu'un vainqueur, c'est celui qui gagne les âmes. Ce n'est pas autre chose, Seigneur. Tu nous as donné de comprendre que nous pouvons méditer ta parole, lire ta parole. Oh Seigneur, gêner, faire des retraites. Tout ça, c'est bien pour notre santé. Mais tant que nous ne gagnons pas des âmes, nous ne sommes pas des vainqueurs. Tu nous as donné de comprendre que nous pouvons faire des délivrances, le brisement des liens, le renversement des principautés. Tout ça, c'est beau pour la santé des âmes. Mais tant que ces âmes, nous ne les amenons pas au salut, Seigneur, tout ça n'a pas de sens. Seigneur, je voudrais te dire merci. Toi qui nous as convoqués à cette rencontre pour nous montrer ce que c'est qu'un vainqueur. Éternel, tu nous donnes également de comprendre que quand nous baptisons les âmes, c'est celles-là qui sont membres de l'Église. Et quand elles sont membres de l'Église, notre responsabilité, c'est de les bâtir en tant que disciples. Nous prions que ces vérités soient enracinées dans nos cœurs, cachées par le sang de Jésus, afin que l'ennemi ne vole rien. Au nom de Jésus. Amen.